Phasmophobia a acheté un nouveau fantôme nommé le Déogène, ou selon la prononciation originale, le Ohen. Et ce fantôme-là est vraiment intéressant parce qu'il fonctionne pas du tout de la même façon que les autres fantômes du jeu. On va aller lire qu'est-ce qu'il dit. Parfois entourés d'un brouillard sans fin, les Déogènes ont échappé aux chasseurs de fantômes pendant des années. Les rapports indiquent que ces entités arrivent à trouver des proies les plus insaisissables avant de les traquer jusqu'à épuisement. Voici ses forces. Les Déogènes sentent constamment les vivants, vous pouvez courir, mais pas vous cacher. Faiblesse. Les Déogènes ont besoin d'énormément d'énergie pour prendre forme et bougent très lentement. Donc on peut voir ici qu'on a besoin de Spirit Box, écriture et projecteur, les Dots. Et avant de rentrer dans les détails, on va regarder une couple de clips qui met en scène le Déogène. Là, là. You. Ouais, c'est une honte. Oh, tabarnak! Écoute-les aller. Oh my god! Quoi? Cool. Il ralentit en nosti, madame. Oh my fucking god. C'est bien creepy! J'ai peur qu'il aille un petit peu trop vite, puis il m'accroche, puis j'explose. On va s'en aller fucking vite, il va ralentir, inquiète-toi pas, mini. Pourquoi il est là de même? Parce qu'il est proche. Ouais. Oh boy, ok, ouais. Je continue à tourner, là. Il peut pas nous tuer ici, on fait. C'est comme si un revenant pis un djinn avait eu un bébé. Ouais. Ben oui. C'est un petit bébélette en tabarnak. Fait que je trouve qu'il va y avoir un Déogène, il va falloir faire des choses comme ça. Parce qu'on peut pas se cacher. Oh, on peut pas se cacher. Oh my god. Holy shit! Donc, vous pouvez voir, le Déogène va toujours trouver où vous êtes sur la map. Peu importe vous êtes caché où, il sait où et il va se rendre jusqu'à vous. Et il fonctionne un peu comme un revenant inverse. S'il vous voit pas, il va aller extrêmement vite jusqu'à ce qu'il soit dans votre line of sight. Puis à partir de là, il va ralentir aussi, presque plus lent qu'un revenant. Il va presque pas bouger, fait que ça vous laisse le temps de vous enfuir ou de louper à travers d'une place. On a pu observer aussi que le pourcentage de santé mentale nécessaire pour pouvoir hunter est de 40% au lieu de 50% pour la plupart des fantômes. Donc si le fantôme chasse juste avant que vous ayez découvert exactement c'est quel fantôme, je vous conseille de pas aller vous cacher tout de suite puis de rester proche d'un endroit où vous pourrez facilement louper le ghost si le Déogène est dans un de vos choix. Parce que ça serait très embêtant que vous soyez dans un coin pendant que le fantôme arrive. Et ce fantôme unique rend le mimic encore plus terrifiant parce que maintenant un mimic peut simplement devenir un Déogène n'importe quand sans que vous y attendez. Sur ce, c'était ce qu'on peut savoir sur le Déogène pour l'instant. Il y a sûrement d'autres choses qui vont être découvertes dans le futur. Je ferai une vidéo pour mettre à jour ce que j'ai vu sur le Déogène. Dites-moi ce que vous pensez de ce fantôme-là dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!